Ouais, tout le monde, c'est des productions. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Une vidéo où je vous parlais d'une petite dinguerie que j'ai reçue récemment. C'est la Yolanzi Filmog Ace FM01. C'est parti! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur cet accessoire qui est la machine à fumer, puisque on l'utilise très souvent dans des plans, mais on s'en apporte pas forcément, et c'est ce qui donne un petit cachet à l'image. Utiliser une machine à fumer dans une scène, ça va accentuer les faisceaux lumineux, donc on va appeler ça des lumières volumétriques, et ça va créer aussi une ambiance au niveau de la couleur que va avoir l'image. On va avoir des teintes un peu plus douces, beaucoup moins de contraste, et ça donne tout de suite cet petit aspect film un peu ancien, un peu... Il y a une sorte de petite patte, un truc qui est vraiment esthétique, et ça change vraiment la tronche d'un de vos plans. Donc vous voyez, on peut créer des ambiances vraiment cool, comme ce qu'il y a derrière moi actuellement, donc ça donne une vibe, comme ça. C'est plus ou moins cool en fonction de... Là c'est fait à la va-vite, mais franchement, je trouve que ça donne quelque chose de plus, un petit cachet. Là, ça donne une ambiance à ma scène, alors qu'il y avait zéro ambiance de base. En plus de donner du cachet à vos images, ça vous offre les portes de faire plein d'autres choses avec de la fumée. Notamment de la fumée de type azote liquide, donc une fumée qui va être assez dense, assez liquide, qui va du coup représenter une sensation de fraîcheur, ce qu'on peut retrouver dans plein de scènes au cinéma en fin de compte, où il y a quelque chose qui est censé être froid, qui rentre en contact avec quelque chose qui est plus chaud. On peut aussi du coup imager de la chaleur qui n'existe pas vraiment sur le tournage. Par exemple, une tasse à café qui est chaude, mais en fin de compte, elle est vide, il y a juste de la fumée qui en sort. Avoir de la fumée dans un plan, ça peut apporter un énorme plus esthétique et en plus un énorme plus narratif. C'est pour cela que si vous êtes un vidéaste, il vous faut absolument ce petit accessoire. Comme vous pouvez le voir, il est petit, compact, et en plus, son design, il est vraiment excellent. Donc, il s'ouvre vraiment comme ça dans la pochette. Là, on va retrouver du coup la machine, ainsi que tous les accessoires qui vont vous permettre de la faire fonctionner. Alors, vous voyez, elle n'est pas plus grande qu'une gourde, même une petite gourde, j'ai envie de dire. C'est vraiment tout petit et c'est vraiment extrêmement efficace. On a ici une puissance de 40 watts. Ça va vous permettre d'enfumer une pièce d'environ 10 à 15 mètres carrés, voire peut-être même 20 mètres carrés. Cependant, l'autonomie est plutôt bonne, je trouve, pour un appareil aussi petit. Ça fonctionne avec deux piles rechargeables qui vont aller à l'intérieur, qui sont le même type de piles qu'on peut avoir sur des cigarettes électroniques, si je ne me trompe pas. Si vous êtes à court de batterie, eh bien, vous avez ici un petit port USB-C qui vous permettra de recharger votre appareil via batterie externe ou via secteur, ça n'y a pas de souci. Et vous avez aussi un petit filetage 1/4, donc un truc classique, vous pouvez mettre sur votre trépied, etc., ou à la place de vos caméras. Et du coup, vous pouvez positionner cette petite machine sur un trépied, en hauteur, hors cadre ou autre, et le lancer à distance. Et du coup, vous avez de la fumée qui se met toute seule, sans que vous ayez rien d'autre à faire qu'appuyer sur un petit bouton. On nous annonce une autonomie de 10 minutes en continu, en pleine puissance. Bon, je vous avoue qu'à part si vous voulez vraiment fumer votre pièce très rapidement, ça va pas être le cas. L'autonomie est aussi bonne au niveau du réservoir. J'étais extrêmement choqué, sachant que je n'ai jamais touché de cigarette électronique de ma vie. Je ne savais pas combien ça allait consommer. J'avais peur que ça parte extrêmement vite. Et ce n'est pas du tout le cas. Je peux faire joujou une après-midi avec seulement une charge de liquide. Voilà. Donc là, du coup, une fois que c'est rempli comme ça, moi, je peux m'amuser à une après-midi à faire des petits trucs sympas. Notamment pour le tournage où il y a eu le plan de coupe, je suis resté
ouais, des heures et demie à faire joujou avec, et j'étais arrivé à du coup à utiliser que la moitié. Et on pourrait se dire aussi qu'avec cette petite taille, il faut attendre très longtemps pour que la fumée sorte correctement. Et bien là aussi, très surpris, entre 1 à 2 secondes une fois que c'est allumé, et je vais vous faire la démonstration maintenant. Donc hop, je vais allumer la petite machine. Alors je vais juste reclipser et redéclipser tant qu'il s'ajuste avec la machine, parce que sinon il est perdu. Et là du coup, j'appuie sur le même truc, et voilà. Ça a même pas pris 1 seconde, c'est pour vous dire à quel point ça fonctionne vite. Alors avec cette petite taille et une puissance de 40 watts, on pourrait se dire « Ah, ça va sûrement chauffer ». Et ça peut arriver, franchement. Moi, j'ai jamais eu vraiment de problème de surchauffe dessus, parce que comme je vous ai dit, je l'utilise très rarement, très longue durée d'affilée. Je laisse toujours se reposer en faisant des à-coups. Franchement, vous voyez, il n'y a pas de problème de surchauffe, ça durera assez longtemps. Par contre, cependant, j'ai eu pas mal de messages d'erreur de surchauffe, alors que c'était juste le réservoir à liquide qui était mal enclenché. Sachez que si vous avez des problèmes avec un message qui vous affiche que c'est en surchauffe, il se peut que ce soit juste mal enclenché dans votre appareil et que la sécurité se mette juste à fonctionner pour protéger votre appareil. Donc si ça vous arrive, vérifiez que vous avez bien vissé votre réservoir, qu'il soit bien connecté, et si vous avez un doute, dévissez et revissez-le au cas où. Cet appareil, il est génial parce qu'il vous offre plein de possibilités, et en plus de ça, il est nomade. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez une machine à fumer, eh bien c'est une machine qui va peser entre 500 grammes et 1,5 kg, qui va vous permettre par contre d'avoir un plus gros débit, mais il n'est pas portatif, vous ne pouvez pas le mettre sur un trépied, vous ne pouvez pas faire des petits trucs sympas avec, vous ne pouvez pas vous dire « Oh, je le prends dans la poche, là je vais faire un truc comme ça ». Là, on a vraiment la portabilité, ça a été pensé pour être nomade, et c'est vraiment ça qui m'a plu, sachant qu'en plus d'être nomade, il est intelligent. Là, on va avoir une télécommande ici, qui va nous indiquer du coup avec un petit écran LED, les fonctions, etc. Et moi, du coup, alors moi, j'ai pas enlevé le petit blister qui est là. Tout simplement, je décide de le garder parce que c'est plus simple pour retirer la télécommande. Donc, on a une petite télécommande comme ça qui se détache. Et ensuite, du coup, on peut contrôler notre appareil à distance, que ce soit en l'activant ou le désactivant, en l'allumant ou en l'éteignant, ou alors en contrôlant tout simplement tous les modes d'intensité et de ventilation que possède cette machine à fumer. Et vous avez vu que derrière, il y a aussi un petit bouton qui est caché et qui lui permet, il va enclencher la machine à fumer. Par contre, ce sera indéfiniment tant que vous ne rappuyerez pas sur le bouton central. La télécommande va vous donner des informations telles que le pourcentage de batterie sur la pile gauche, sur la pile droite, sur l'ensemble, sur la connexion entre la télécommande et l'appareil, si jamais la connexion est bonne ou non, avec un petit logo Wi-Fi, la différence d'intensité que vous sélectionnez, tous les menus qui vont avec. En termes de bruit aussi, c'est quelque chose qui fait plus ou moins de bruit. C'est sûr que si vous le mettez sur un tournage pendant qu'il y a une prise micro et que c'est de l'ASMR, on va forcément l'entendre. Par contre, honnêtement, pour une machine qui débite comme ça, franchement, c'est totalement acceptable, sachant que vous pouvez baisser la ventilation, etc. Faire maintenant un test son de la machine avec le micro qui est environ à 50 cm pour que vous puissiez en juger de vous-même. Et je vous conseille de mettre soit des écouteurs, soit un casque. Donc là, c'est au minimum. Comme vous l'avez vu, le son qui est produit cet appareil est tout à fait acceptable. Moi, ça me choque pas du tout. Ils annoncent 36 modes en tout. Alors, j'ai pas trop compris où ils étaient, les 36 modes. Je pense qu'ils doivent calculer chaque parcelle d'intensité de soufflerie et de fumée séparément, je ne sais pas. On a aussi un mode automatique, donc on peut programmer. Donc du coup, on va programmer l'appareil pour qu'il puisse tout seul, sur une période donnée, s'activer sur un laps de temps donné aussi. Donc pour enfumer une pièce automatiquement sans avoir de surchauffe, c'est quelque chose qui peut être vraiment très utile. Pour avoir l'accès à tous les modes, on a des accessoires qui sont fournis et des accessoires qui sont indispensables. Me vient en tête maintenant l'utilisation de la mousse fournie pour avoir l'effet azote liquide. Donc c'est la fumée qui est extrêmement dense et qui va se répandre sur le sol un peu comme si c'était du liquide, mais ce n'est pas vraiment. Donc on a un tuyau qui est flexible ici. Donc on peut mettre dans tous les sens, un peu comme les bras magiques, et avec ici un embout pour pouvoir le visser. Et là on a un autre embout qui est beaucoup plus petit et qui du coup lui est en 3 parties. Vous pouvez démonter chaque partie, voilà comme ça,
et en faire ce que vous voulez pour avoir l'effet que vous désirez. Pour l'utilisation et l'installation de la machine, il n'y a vraiment rien de compliqué. On a une notice qui explique pas à pas avec des petits pictogrammes, des petits dessins, comment installer et allumer pour la première fois votre appareil. Il suffit de les suivre et ensuite ça fonctionnera tout seul. Pour alimenter votre machine à fumer, vous aurez besoin de liquide. Si jamais vous venez à bout de ce premier échantillon qui vous fournit, ce qui est de 60 ml, qui va pouvoir peut-être partir plus ou moins vite en fonction des gens, eh bien sachez qu'en ce moment, si vous voulez ce liquide-là, donc c'est toujours mieux de prendre le liquide de la marque constructeur, eh bien sachez qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, en France en tout cas, il est indisponible nulle part, même sur le site du constructeur. Il est en réapprovisionnement dans tous les sites, je ne sais pas pourquoi. Donc il y a des marques concurrentes qui proposent des liquides aussi, après à voir s'ils sont équivalents en termes de qualité. Sachant qu'un liquide ne va peut-être pas fumer autant qu'un autre. Hey, c'est le mois du futur. Alors, juste pour vous dire que du coup, suite au fait qu'il est impossible aujourd'hui d'avoir les recharges pour la Yulenzi, eh bien, j'ai été chercher du coup des liquides de fumée d'une autre marque. Et là, du coup, j'ai pris la Ibizelite, donc en 1 litre. Déjà, j'ai eu très peur en voyant la liquidité. C'est comme de l'eau, alors que le produit d'origine est vachement plus visqueux. Et du coup, j'avais rempli le réservoir à ras bord. Là, vous voyez qu'il reste plus grand chose. Ça m'a duré 5 minutes. Donc déjà, en termes de consommation, on est bien, bien moins efficace que le liquide d'origine. Donc c'est bien ce que je vous disais. Il faut faire attention. Tous les liquides ne seront pas identiques en termes de qualité. Et en termes de fumée, on est vraiment sur une fumée médiocre. Vous pouvez dire adieu à une fumée qui est très dense avec une fumée type azote liquide. Ça ne vous permettra pas de faire ce genre de fumée. Ici, vous aurez une fumée qui sera très, très légère. Donc vous allez pouvoir le constater. C'est un truc que je vous déconseille, donc essayez de privilégier les marques de machines à fumer portatives comme celle-là, qui seront sûrement plus qualitatives, ou même prenez le produit de base. Beaucoup de produits comme ça seront clairement pas efficaces sur les petites machines à fumer comme celle-ci. Elles sont plus destinées à des grosses machines qui vont pouvoir avoir sûrement des puissances beaucoup plus accrues, ou alors tout simplement j'ai pris un produit qui n'est pas du tout le bon. Donc en tout cas, ne prenez surtout pas cette marque-là, ce modèle-là, pour cette machine à fumer. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Au sujet de ce liquide, il y a un nom scientifique qui est vraiment arrache-langue, c'est de la glycérine végétale et propylène glycol. Donc ils nous garantissent que c'est un liquide qui n'est pas toxique et qui est 100% éco-responsable, donc qui ne va pas polluer. Après, je vous déconseille quand même fortement d'inhaler ou de consommer via la bouche, comme une cigarette électronique, ce genre de produit. On ne sait jamais ce que ça peut provoquer et je pense que ça n'a pas bon goût. Le liquide est aussi vendu comme un liquide qui ne sent pas. Alors moi, j'ai peut-être un odorat surdéveloppé puisque je sens une légère odeur. Ce n'est pas désagréable. C'est un mélange entre, je sais pas trop vous dire, ça sent le chaud. Voilà. Il y a une petite odeur comme ça qui n'est pas désagréable, qui ne gêne pas non plus. Mais il y a quand même une petite odeur, sachez-le, donc ne vous étonnez pas si vous sentez un petit truc. Et bien sûr, message de sécurité, si vous utilisez pendant très longtemps cet appareil, eh bien, il risque de chauffer au niveau du réservoir, qui est la partie qui chauffe pour allumer la fumée. Et donc, je vous déconseille, là aussi, si vous l'avez utilisé pendant une bonne période, de le toucher directement avec vos doigts, vous risquez de vous brûler. Et c'est indiqué directement sur le réservoir, au cas où il y a des gens qui sont un petit peu tête en l'air. Donc faites attention à ça, à manipuler avec un peu de précaution lorsque vous l'avez utilisé pendant un petit moment. Il faut le laisser refroidir pour pouvoir le recharger, évidemment. Pour une centaine d'euros, alors ça va dépendre des sites où vous l'achetez. Moi, je l'ai eu en précommande sur le site yulenzi.com. Donc je l'ai eu à 90 euros. Et pour 90 euros, c'est clairement un banger. C'est un truc, je ne peux que vous le conseiller. Si vous êtes un vidéaste, confirmé amateur, vous avez... une centaine d'euros à investir dans un truc qui va vous faire des plans de fou, qui va vous créer des atmosphères de zinzin, qui va vous être utile sur plein de projets, qui va même vous ouvrir des portes à certains projets. Et bien, si vous avez une centaine d'euros à mettre dedans, faites-le, ça peut valoir le coup. Alors, sur le site Yulenzi, il va être une centaine d'euros. Ensuite, si vous passez sur Yulenzi Allemagne, il va être à 130 euros et il va être entre 120 et 140 euros sur les revendeurs français type IPLN, Digitphoto, Digixo et d'autres. Voilà. À ce jour, je ne connais que deux concurrents potentiels pour cette machine. Il y a la marque Lensgo qui propose deux machines et on a aussi la marque Smoke Ninja qui propose une première version à 40 watts qui est aux alentours de 350 euros et une dernière version qui est à 750 euros qui explose clairement les tarifs et qui du coup là n'est plus très intéressant pour des gens à petit budget. Ses concurrents se placent à 200 et 350 euros, ce qui lui laisse clairement un boulevard à Yulenzi pour performer et séduire maximum de gens. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez été convaincus. Alors je ne suis
clairement pas payé par la marque pour dire du bien, mais franchement, avoir une machine à fumer, moi j'en ai toujours voulu une, enfin toujours voulu une, c'est vraiment un grand mot, j'en voulais une depuis un moment. Quand j'ai vu que du coup ils annonçaient cette petite machine à fumer là, pour une centaine d'euros, je me suis dit, ah, je vais clairement prendre ça. Aujourd'hui, j'ai pas besoin d'une grosse, grosse machine à fumer, surtout pour ce que je fais actuellement. Et puis en plus, les grosses machines à fumer fonctionnent sur secteur, elles prennent de la place, elles sont lourdes. Donc ça, vraiment, pour ce que je fais actuellement aujourd'hui, c'est vraiment un truc de fou. Clairement, je vous conseille ce genre de produit, celui-là en particulier, puisque pour son prix, il est vraiment bien. Vous pouvez me suivre sur Instagram qui sera en description, sur Twitter et Threads. Je poste quelques trucs sympas, notamment des petites stories pour annoncer les tournages des projets en cours. Même si je ne fais pas les tournages en l'ordre et tout, ça vous donne une idée déjà de ce qui va arriver sur la chaîne et de quand ça va arriver. J'ai pas mal de vidéos qui vont arriver prochainement, je vais essayer de les sortir assez rapidement pour essayer de combler un petit peu ce manque de vidéos et d'activités sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous mettrai des liens dans la description. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Sur ce, c'était Des Productions, à plus tout le monde. Et là du coup j'ai la tête qui prend feu, regardez, hop. C'est pas mal hein, on peut faire des trucs vraiment sympas. Genre pub L'Oréal, tu vois. Hop, bon, bien sûr, à faire avec précaution, parce que ce serait con que vous foutiez le feu aux cheveux. Oh, j'ai perdu une mousse, reviens. Elle est partie où ?